Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, j'attends les collègues de Plouneur-Lanverne où nous allons faire un road trip 100% aquariophilie. Dans cette vidéo, vous allez voir un peu de tout, donc restez abonnés, restez connectés. Il y aura peut-être la vidéo qui sera scindée. Je ne sais pas encore comment je vais dérouler ça, mais j'attends les gars. Nous allons partir du côté de Amiens dans un premier temps. Ensuite, nous allons aller du côté de Rotterdam visiter 2-3 magasins. Ensuite, on va aller au salon Vivarium, qui est le plus grand salon en Europe d'aquariophilie. Hein, quand même, j'étais déjà allé en 2019, là on y retourne en 2022, et après direction Dortmund en Allemagne pour aller à l'Aqua Expo Tag où je vais juger du coup le concours cette année. Donc c'est parti! Donc ici, nous sommes chez David, qui est éleveur amateur de crevettes. Il est avec moi, donc merci David de nous accueillir. Merci à toi, Emric. Et donc du coup, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu t'es lancé un peu dans la crevette et ce que tu fais ici. Donc on a les bacs qui sont en fond. Je vous ai fait quelques plans de coupe également de certaines espèces qui sont présentes. Donc David, vas-y, je te laisse la parole. Voilà, en fait, je me suis lancé dans la crevette bizarrement en allant dans des animaleries, en achetant des red cherry. Donc ça fait 18 ans maintenant, en 2004 j'ai commencé. Et depuis, bah voilà, j'ai évolué jusqu'à avoir une belle fish room. J'ai commencé les concours en 2013. Et j'ai commencé le jugement en 2016. D'accord. Donc je pense que c'est un beau parcours. Ouais. Et donc ici, donc qu'est-ce que tu fais alors comme espèce? Qu'est-ce que tu produis? Que des Caridina. D'accord. Je sélectionne quelques Caridina, pas tout, parce que pour sélectionner tout, c'est vraiment trop de temps. Mais je pense que j'arrive à avoir déjà des belles sélections. Ouais. Et donc du coup, alors pour ceux qui te connaissent un petit peu dans le milieu de la crevette, tu as créé ta crevette. Oui, réussi à faire de la sélection du coup, ouais. Et créer une qui n'était pas disponible. Ouais, voilà, j'ai créé la Vada là-haut, ouais. Qui est une crevette que j'ai sélectionnée depuis 2012. D'accord, et donc elle a quoi cette particularité d'avoir cette comme crevette en fait En fait, c'est un croisement de qui est parti d'une Tahiti Bee Black avec une Crazy Blue. Déjà, les Crazy Blue, c'est déjà instable, ouais. Donc même les Vada sont instables. C'est, ça reste avec plusieurs patrons. Tu as du noir, du blanc, avec des dessins bariolés derrière. D'accord. Et donc du coup, je pense c'est une fierté quoi de créer ça, on va dire ça, ouais, bien sûr, dû au croisement. Ouais, et je mettrai quelques photos. Tu m'enverras quelques photos de la crevette, comme ça vous l'aurez à l'image. Parce que là, c'est pas évident à filmer. En plus, j'ai pas forcément l'appareil qui est prévu pour. Donc du coup, c'est vrai que voilà, mais vous aurez également des photos. Tu es partant pour Vivarium également? Exactement, on va se retrouver samedi. Donc on va se retrouver là-bas. Et donc dans d'autres épisodes, si vous croisez du coup David, vous saurez qui c'est du coup, parce que cette vidéo sortira avant les autres. Ouais. Bah, je te remercie en tout cas pour cette petite présentation. Merci à toi. Super et installation. Et puis bah, nous, on va continuer notre petit road trip. Donc voilà. On vous dit à la prochaine. Donc du coup, demain, ça sera vendredi. Ouais. Mais on se retrouvera du coup samedi. Et à samedi, ouais. Voilà. En direct du Vivarium. Allez, on continue. Allez, bye bye. Bon, donc Gérard, première visite de ce magasin, donc Aquafreeze. J'ai pas pu filmer du coup dedans. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de ce magasin? Un magasin classique avec un peu de matériel. Il y a quelques poissons, mais voilà. On va dire un magasin classique. Voilà, ce qu'on peut retenir, c'est des batteries qui sont sur des bacs en fait, comme dans une fish room finalement. Exactement. Donc ça n'a rien à voir avec le système français, mais par contre, voilà, au niveau tarif, on est un petit peu moins cher. Mais sur certaines espèces, donc pas plus que ça. Donc là, on va aller se manger un petit bout et puis on vous fera partager le reste, si on peut filmer bien sûr, dans les magasins. Nous avons pu visiter Strijker Aquarium à Rotterdam. C'est un magasin
qui est en centre-ville et en sous-sol. Et là-dedans, nous avons pu du coup découvrir énormément d'aquariums avec une diversité de poissons, des prix intéressants par rapport à la France sur le vivant, mais surtout un magasin qui est tenu donc par un couple. Et c'était extrêmement propre. On retrouve également des marques comme Serra, AM, Oase ou JBL, donc des marques plus ou moins connues, hein, des leaders sur le marché. Mais surtout, voilà, un énorme choix dans le vivant, donc c'est un vrai plaisir. Et puis, bah, les directeurs et la directrice sont super sympas. Donc, on a pu acheter quelques poissons dans ce magasin.